Merci Geoffrey Pouget, vous êtes directeur chez Tilder. Merci Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. C'est parti pour votre chronique, Frédéric. BFM Business, Hebdo.com, la chronique média. Vous nous parlez d'intelligence artificielle cette semaine, Frédéric. Oui, Rebecca. Pour une fois, je vais faire un peu de promo je vais vous parler de d'IA, comme on dit, parce que la couverture de CB News ce mois-ci de notre collector luxe est en effet réalisée par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui a été... dans la vraie vie, il y a aussi des petits ingrédients qu'il garde secret, parce que comme un chef cuisinier, il faut quand même qu'il ait sa patte personnelle, qu'il garde un peu son mystère. Il appuie une fois sur un clic et 10 secondes après, le programme Dali ou Midjourney, les deux principaux AI qu'il utilise, propose 4 résultats à partir desquels il peut retravailler son image de manière pratiquement infinie. Pour parvenir à ce résultat, l'intelligence artificielle puise dans sa culture les milliards d'images qu'elle trouve sur le web, mais elle n'imite rien, elle crée littéralement comme un cerveau humain, c'est-à-dire que voilà, elle se sert de ce qu'elle sait pour parvenir là. Ainsi, par exemple, David donne des noms de réalisateurs pour donner peut-être une certaine couleur, autant de données qui permettent à l'IA de composer des images correspondant aux souhaits de son instigateur. Le résultat, il est quand même assez spectaculaire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je l'ai découvert, cette couverture, on dirait une vraie photo, on dirait une mannequin qu'on connaît. Ouais. Est-ce que les photographes professionnels doivent s'inquiéter ? Non, je pense pas, parce que je pense quand même que ils ont toujours une sensibilité, une intuition, un savoir-faire que aucune machine n'est capable de faire. Mais c'est vrai, par contre, qu'on est tout à fait au début de l'histoire. Ces outils Dali et Midjourney n'existent que depuis quelques mois. Donc, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, il suffit d'aller sur le web pour aller regarder, est absolument, effectivement, déjà extraordinaire. Donc, pensons à ce qui se passera dans quelques années. Et puis, c'est vrai que pour une agence de pub, pour un magazine, créer cette image, il n'y a pas besoin d'aller dans le désert et booker un modèle très cher. Ça prend 10 secondes. Pas mal de temps de cerveau, mais c'est évidemment beaucoup moins cher. En revanche, il y aura probablement des problèmes juridiques. Je souhaite bon courage aux juristes qui se poseront dessus. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui apparaîtra, qui est de devoir mentionner que ce sont des vraies ou des fausses images. Parce qu'évidemment, vous imaginez que ça peut servir à nourrir des fake news très facilement, en quelque sorte. Alors, je vais quand même vous donner un petit truc pour reconnaître aujourd'hui une image faite par une machine d'une vraie. Si on a la possibilité, il faut regarder les mains ou les dents. Ces IA ont beaucoup de mal à compter les 5 doigts ou les 32 dents. Donc voilà. Et ben on regardera. Merci beaucoup Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi en replay, en podcast, et puis en replay sur le site de BFM TV. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdo.com sur BFM Business.
cadre exceptionnel de la Grange au Lac. Venez découvrir les plus grands artistes de la scène classique internationale. Les rencontres musicales d'Evian. Offrez-vous l'expérience unique d'un concert à la Grange au Lac. Prix des billets de 5 à 65 euros. Informations et réservations, lagrangeaulac.com. Jouets en une filière plus durable, où en est-on au niveau de l'éco-conception des jouets? On fera réagir notre expert et notre invité à ce sujet cette semaine. Notre invité, c'est Jacques Bonos, il est président de Jouet Club. Vous retrouverez également le journal du retail. Et puis en deuxième partie, vous découvrirez notre start-up de la semaine. Cette semaine, c'est Reverse.io, ou comment optimiser la logistique du retour. Vous êtes sur BFM Business, soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Jacques Bonos. Bonjour, vous êtes président de la coopérative Jouet Club. À mes côtés également Nicolas Gentil. Bonjour. Bonjour. Notre expert de cette semaine, vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Alors cette semaine, Jacques Bonos, certaines enseignes de la grande distribution ont annoncé renoncer définitivement au prospectus papier. C'est vrai que c'est une décision plutôt contradictoire dans une période d'inflation où les consommateurs sont plus que jamais sensibles à la promotion. Vous, chez Jouet Club, vous avez annoncé...
Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Que faire du pull moche ou de l'horrible mug que vous allez recevoir à Noël plutôt que de les garder dans votre placard? C'est vrai que les Français sont de plus en plus nombreux à revendre les cadeaux de Noël qui ne conviennent pas. C'est ce que révèle le baromètre annuel d'eBay avec Kantar. Oui, les fêtes de fin d'année sont un temps fort pour eBay. Chaque année, ce sont des millions de nouvelles annonces qui sont publiées entre Noël et le Nouvel An. Au total, c'est près de 50 millions de cadeaux qui se retrouvent sur le site et plus d'un Français sur 10 qui envisage de revendre ses cadeaux. Alors, c'est une tendance qui se confirme cette année puisque plus de 7 millions de Français seraient prêts à revendre leurs cadeaux. Selon la directrice générale d'eBay France, ce phénomène, c'est une manière de protéger le pouvoir d'achat des Français. Prospectus papier. L'acteur très présent en zone rurale ne compte pas se séparer du papier qui reste utile pour les consommateurs qui sont attentifs au prix en cette période d'inflation. 60% de ses clients restent attachés à la lecture du catalogue. Les alternatives digitales qui sont moins efficaces et moins puissantes que le papier, sans compter que le digital a tout de même une empreinte carbone importante. Pour les autres acteurs de la grande distribution, Cora, Leclerc ou encore Carrefour? Eh bien, Leclerc a annoncé cette semaine renoncer au catalogue papier dès le 1er septembre. Les 734 magasins de l'enseigne proposeront leur catalogue sur des supports numériques. Une décision motivée par des considérations environnementales, sachant qu'un catalogue sur deux part à la poubelle, mais aussi économique. Le prix du papier a triplé en 2 ans. Et enfin, gouvernemental avec le dispositif WePub mis en place sur les boîtes aux lettres. Cora également ne produit plus de prospectus depuis 1 an, alors qu'il imprimait chaque année plus de 15 000 tonnes de papier. Carrefour lui compte réduire de 80% la distribution de catalogues papier d'ici à 2024. Et Auchan, lui, va miser sur le digital avec des QR codes qui permettront d'accéder aux prospectus en ligne. Et coup dur dans le secteur du quick commerce, Flink quitte l'Autriche. Oui, Flink se sépare de l'Autriche en effet pour se concentrer sur ses 3 marchés principaux, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'entreprise allemande avait racheté Cajou et se sépare de 2 de ses dirigeants, François Hautefort et bientôt Quentin Chaléard. Alors Flink prépare actuellement une levée de fonds et doit prouver à ses investisseurs que la start-up peut devenir rentable. Et on passe à Amazon qui propose une nouvelle fonctionnalité shopping qui s'inspire de TikTok. Oui, et cette nouvelle expérience d'achat est disponible donc sur Amazon aux États-Unis. Ça s'appelle Inspire. Elle se présente sous la forme d'un flux continu de photos et de vidéos de produits que les clients peuvent acheter via l'application. Une sélection de produits adaptés à chaque utilisateur en fonction de leurs intérêts et qui pourront liker avant d'acheter. Alors ici, c'est une nouvelle rubrique qui sera directement intégrée à l'application mobile. L'objectif ici, c'est bien sûr de concurrencer les entreprises comme TikTok et Meta qui se sont lancées sur le social commerce avec des fonctionnalités similaires. Et dans la catégorie Travel Retail, la Fnac ouvre 3 boutiques à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Oui, il s'agit d'un espace de 62 mètres carrés et de 2 corners de 10 mètres carrés. Alors, ces 3 nouveaux magasins ont vu le jour grâce à un partenariat avec Lagardère Travel Retail. Ils proposent une offre plus resserrée autour des besoins des voyageurs, autour du son, de la téléphonie, des accessoires photos. Alors, ce sont des accessoires utiles comme, par exemple, quand vous partez à Londres et que vous avez oublié d'acheter un adaptateur, par exemple. Alors, au total, la Fnac a 39 boutiques dans ce format situées en gare et dans les aéroports. Ces nouveaux points de vente, ils viennent renforcer le maillage Fnac dans les aéroports sous-douanes parisiens. Et l'enseigne compte à ce jour 234 magasins dans l'Hexagone, dont 142 franchises. Merci Eva Jacquot. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus avec notre expert Nicolas Gentil. Focus Retail, le Focus. Et on retrouve notre expert Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Sur 160 000 tonnes de jouets vendus chaque année, 110 000 tonnes sont jetées en France chaque année. Le secteur du jouet. Et face à un véritable défi écologique, comment faire évoluer le marché en une filière plus durable, Nicolas ?
Oui, c'est vrai que c'est un sujet, la durabilité du jouet, auquel on n'attachait pas forcément trop d'importance il y a encore quelques temps, et maintenant, effectivement, notamment quand on entend les chiffres que vous venez de citer et qu'on rajoute par exemple celui de 90% des jouets qui proviennent de l'étranger, ça fait beaucoup de questions autour du recyclage, autour de l'utilisation des produits recyclés et évidemment sur la relocalisation qui ont été évoquées par notre invité tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui émergent de ci et de là. Est-ce que les acteurs du jouet jouent véritablement le jeu? Oui, alors et les distributeurs et bien sûr les fabricants. Il existe une filière jouet, un responsable élargie du producteur qui, dès janvier 2022, s'est engagé à valoriser, recycler les matières et développer le réemploi des jouets. Ça, le réemploi des jouets, encore une fois, ça a été cité tout à l'heure, c'est intéressant de se dire qu'il y a un objectif pour 2024 qui est remettre sur le marché 33 000 tonnes de jouets sur les 100 000 que vous évoquiez tout à l'heure. Donc il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans la distribution. On a entendu celle de Jouet Club tout à l'heure, mais King Jouet également, qui avec King Ocase, fait dans de grands entrepôts, déploie 30% de sa surface.